Bien. Est-ce qu'on m'entend ? C'est parfait. Écoutez, vous avez raison d'être avec nous parce que vous allez être dans le meilleur atelier de cette journée. Donc, vous avez fait déjà un bon choix. J'espère que vous êtes bien installés. Vous l'aurez compris, nous avons justement souhaité vous proposer avec la Banque des Territoires un sujet au cœur de l'actualité qui est bien entendu le sujet de la formation, qui est un enjeu bien sûr de levier de réindustrialisation. Et on va partager avec nos invités de ce matin justement les solutions qui permettent aujourd'hui de rebooster ces sujets de formation qui sont clés bien entendu dans l'enjeu de la réindustrialisation. À la fois bien sûr le besoin pour les entreprises, le besoin pour le développement de nos territoires et également bien sûr tout ceci en direction de nos concitoyens. Je vais tout d'abord rapidement vous présenter nos intervenants. Tout d'abord, Emmanuelle Leroy-Cerquera, vous êtes directrice de l'attractivité et emploi, direction générale adjointe économie et attractivité à la communauté urbaine de Dunkerque. Donc on sera chez vous, en Hauts-de-France. Vous allez justement nous présenter dans quelques instants un grand projet de transformation que vous menez au sein de Dunkerque. Vanessa De Cuit, vous êtes responsable du développement à la Fédération des écoles de production. Vous nous présenterez justement ces écoles qui se déploient aujourd'hui partout en France. Et ça aussi, c'est un enjeu de transformation avec un bel exemple et des preuves justement comme quoi on peut changer le cours des choses. Frédéric Martineau, vous êtes responsable de Prodeval Formation. Avec justement la création de cette école du biogaz. Et là, on sera chez vous, en Auvergne-Rhône-Alpes. Enfin, Pascal Picot, vous êtes le président de la Fédération des CFA. Il y a eu de grandes réformes sur le sujet des CFA. On va voir justement, avec de grandes ambitions, si est-ce qu'on est dans la bonne, on va dire, dans la bonne trajectoire. On verra comment ça change quand même au sein des territoires, avec bien sûr des élus qui sont ici présents avec nous, qui verront comment justement on peut à la fois compter sur ce déploiement de nouveaux CFA et comment justement l'encadrement et l'accompagnement de la Banque des Territoires peut apporter de l'efficacité. Et puis, tout à l'heure, nous aurons bien sûr la venue et le plaisir d'accueillir Benoît Sénéchal, responsable du pôle formation et investissement direct de la Banque des Territoires. Bien. Puisqu'on parle de formation pour réinventer nos territoires, réindustrialiser, voilà, on va faire un petit voyage chez vous, à Dunkerque. On va faire comme si on y était, sans justement dépenser notre bilan carbone, puisqu'on va rester ici. C'est vous qui êtes venu ici. Peut-être rapidement nous présenter ce qu'est aujourd'hui le projet de Dunkerque, l'énergie créative. Oui, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez déjà ? Parce que, voilà, très bien. Donc, Dunkerque, alors j'ai pas rapporté les photos hein, qui vous montreraient notre magnifique bord de mer, notre centre-ville, nos plages. Bon, j'ai pris la carte des principaux projets industriels qui sont annoncés et qui sont vraiment emblématiques de cette transformation. Dunkerque, bon, c'est un territoire de 200 000 habitants. 30 000 emplois dans l'industrie, sur la zone industrielle au portuaire. Mais ce qui nous caractérise surtout, c'est qu'on produit 72% du CO2 des Hauts-de-France et 21% du CO2 industriel français. Donc en 2014, les élus, c'est une nouvelle équipe d'élus menée par Patrice Vergriet, a mené un grand projet de transformation de l'économie, les états généraux de l'emploi local, avec une problématique qui était comment impulser la création d'emplois nouveaux. On était dans un contexte post-crise industrielle, plus de projets industriels annoncés déjà depuis longtemps, un chômage structurel installé. Et donc, il a lancé cette formidable mobilisation du territoire, hein, public-privé. Et donc, ça nous a mené donc, à ce projet donc, qui s'est construit, on va dire, à compter 2017, hein, qui s'appelle Dunkerque Énergie Créative et qui est le nom que l'on donne donc, à cette transformation du territoire dunkerquois. Donc, la transformation de tout l'écosystème industrialo portuaire et donc qui est soutenu par la Banque des Territoires puisque nous sommes lauréats territoire d'innovation depuis 2019. Oui, avec justement, vous avez été éligible à ce qu'on appelle un projet France 2030. Et alors justement, parce que dans France 2030, vous le savez, c'est la nouvelle ambition qui a été partagée par le président de la République, qui a été présentée justement sur là où on doit mettre l'accent, sur la transformation des filières.
Est-ce que vous pouvez nous détailler justement ce projet de transformation ? Alors, c'est un projet de transformation qui est très motivé justement par la réduction des émissions de CO2. Hein. On a un objectif, une obligation qui est réglementaire. Hein. C'est les accords de Paris, c'est le pacte vert pour le climat, avec des objectifs de neutralité carbone qui sont fixés à horizon 2050. Ce sont des enjeux financiers, bien sûr, pour les entreprises d'engager cette transformation par la réduction des émissions de CO2. C'est un enjeu sociétal, c'est un enjeu environnemental. C'est aussi et surtout pour nous un enjeu d'emploi local. Et donc depuis le départ, depuis qu'on a mené donc, ce projet Dunkerque Énergie Créative, ce qui nous motive, c'est que ça ne reste pas un projet des industriels pour les industriels, mais qu'il entraîne bien l'ensemble de la population. Donc concrètement, la réduction des émissions de CO2, ça passe par de la modification des process industriels. Donc le premier d'entre eux, c'est ArcelorMittal qui investit plus de... Enfin, qui va bénéficier de 1,3 milliard d'euros pour la transformation de ces process. C'est un gros travail sur l'énergie, sur le mix énergétique. Alors on va accueillir deux EPR, un parc éolien offshore. C'est aussi des autoroutes de la chaleur inter-industrie. C'est du captage de CO2, c'est du stockage de CO2. Enfin voilà, vraiment tout un projet ambitieux qui va drainer plusieurs milliards d'euros et qui concerne à la fois donc, la transformation des industries, mais aussi l'implantation de nouvelles industries, on va dire, embarquées dans cette question de la sobriété énergétique, la sobriété des process. Alors Emmanuel, la question que l'on peut se poser, c'est face à un projet aussi ambitieux de transformation, c'est est-ce que vous avez les compétences locales ? Est-ce que vous avez aujourd'hui les formations qui permettent justement d'engager cette transition sur votre territoire ? Voilà, mode d'emploi, Emmanuel, avec nos participants. Alors, ce matin dans l'atelier. Voilà, mode d'emploi d'un projet aussi ambitieux, hein, donc, que je vous ai dit, qui a été formellement lancé en 2019. La première chose voilà, qu'on a voulu comprendre, on était plus de 70 partenaires, c'était d'anticiper l'impact de ces transformations sur l'emploi et les compétences. Donc, ce qui nous a mené à mener une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, appliquée à Dunkerque Énergie Créative, vraiment pour objectiver, comprendre et partager un état des lieux des enjeux de recrutement et de transformation des métiers, avec une inconnue importante qui est que la plupart des métiers, on ne les connaît pas. Voilà. Donc, on a travaillé sur cette GPEC, donc qui a vraiment que j'ai piloté, et qui a mobilisé donc les porteurs de projets industriels, qui a mobilisé les acteurs de l'emploi, de la formation. Et cette gestion prévisionnelle emploi et compétences, elle nous a révélé déjà que nos métiers en tension, les métiers à venir, les métiers de la transformation, les métiers porteurs sont les métiers en tension, hein, puisqu'on aura besoin d'opérateurs de production, des techniciens de maintenance, enfin voilà, avec des colorations énergie. Et donc, c'est ce qui sème le trouble, voire je veux dire une forme de panique, en fait, chez la part de nos partenaires industriels, puisque les métiers porteurs sont les métiers en tension. On a essayé de comprendre pourquoi il y avait autant de difficultés de recrutement sur les métiers industriels d'aujourd'hui. Et en fait, effectivement, on s'est rendu compte que l'une de nos faiblesses, c'était la formation, donc à la fois... des difficultés structurelles, hein, je dirais, mais qui sont caractéristiques, je pense, de la plupart des bassins industriels, dans les Hauts-de-France, en Ile-de-France, donc liées à une insuffisance du niveau général de formation de la population, des gens qui sont trop peu formés, pas assez formés, qui n'accèdent pas suffisamment au niveau bac. On a aussi... il y a un fort déterminisme social aussi à l'orientation, une orientation qui demeure très genrée. Donc des métiers, ces métiers porteurs, ces métiers en tension qui n'intéressent pas les bons élèves, qui n'intéressent pas les filles. Comment remédier tout ça, Emmanuel, face à, on le voit voilà. Bien, à une, à, on va dire presque à quelque chose qui est profond dans le territoire. Parce que là, il faut véritablement renverser la table. Il faut qu'il y ait un changement culturel profond. De l'histoire et de l'héritage qu'il y a dans ce territoire. C'est ça. Alors du coup, comme le sujet est ambitieux, il est complexe et on a assumé, on a choisi aussi d'apporter des réponses à la hauteur de la complexité. Donc on a, bien sûr, on va répondre aux difficultés de recrutement de court terme des entreprises en les outillant. Alors sur les questions forcément du recruter autrement, avoir plus d'alliances inter-entreprises pour recruter autrement. C'est la mobilisation des publics, aller au plus près dans les quartiers, mobiliser les femmes, mobiliser les jeunes, accompagner les reconversions professionnelles vers les métiers porteurs. Donc ça, c'est vraiment l'accompagnement à court terme. Mais donc, on a aussi tout l'enjeu qui est sur le développement d'actions à impact fort sur le moyen, voire sur le long terme.
Donc forcément, les formations. Donc on est, donc il y a déjà de gros investissements hein, qui ont été menés donc en partenariat avec la collectivité pour l'ouverture d'écoles d'ingénieurs, par exemple, avec l'Université du Littoral ou avec l'IMT, les mines de Douai, qui ont ouvert une antenne à Dunkerque. Et là, de façon... Alors, pour répondre à la complexité, justement, ce qui apparaît, c'est qu'il faut travailler autrement. Donc là, aujourd'hui, ce que la communauté urbaine de Dunkerque tente d'impulser, c'est des nouvelles habitudes de travail entre les industriels, les entreprises et les organismes de formation, avec un enjeu fort qui est de fluidifier, faciliter la remontée d'informations des entreprises pour alimenter les centres de formation. C'est ce que l'AGPEC a révélé, c'est encore aujourd'hui la difficulté d'avoir cette information fluide et régulière. Comment vous pilotez tout cela, justement, parce qu'ici, il y a des maires, il y a des DGS qui sont parmi nous ce matin, pour justement voir comment ces populations locales vont vers les métiers de l'industrie. Est-ce que vous avez un observatoire? Comment vous pilotez ça? Ouais. Ça, c'est souvent une question que nous posent justement élus. Comme je vous disais, il y a une très forte impulsion des élus, du président de l'agglomération lui-même. Et depuis le début, en fait, sur Dunkerque Énergie Créative, on travaille en groupe de travail mixte, hein, public-privé, sur différents sujets, mais donc sur la formation et l'emploi, on le fait aussi. Aujourd'hui, donc, j'anime un groupe de travail qui se réunit environ tous les deux mois. Alors en mode échange d'informations, on s'échange les problèmes, on fait remonter des sujets, des problématiques communes et on monte des projets communs. Et donc, la question par exemple de la valorisation des métiers ou de l'orientation, c'est un sujet qu'on a porté avec l'ensemble des acteurs du territoire. Et donc là, on est en ce moment même en train de monter de grosses opérations autour de la valorisation des métiers et l'orientation, donc en partenariat avec la région et l'État. Et donc, autre élément de gouvernance, on a également un soutien très fort du rectorat, donc l'engagement personnel de la rectrice hein, Valérie Cabuil, donc qui nous accompagne. Donc on a rédigé un pacte éducatif pour le territoire et ça s'accompagne par une très forte mobilisation de la base. Donc à titre d'exemple, en termes de gouvernance, aujourd'hui je vais rencontrer des professeurs de 3e ou les RIPRE, donc c'est les chargés de relations école-entreprise, et on leur parle de tout ça, on leur parle de la transformation pour qu'eux-mêmes, en tant que prescripteurs, puissent orienter les élèves. Les petits succès, c'est toujours très important dans ce type de projet. Il faut pouvoir à la fois avoir des preuves, oui. Ça crée la dynamique. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, il y a un premier amorçage? Est-ce qu'il y a des emplois qui sont créés? Est-ce que vous voyez aujourd'hui véritablement déjà une trajectoire avec des résultats concrets? Alors, je vais me centraliser justement sur le principal enjeu qui est celui de l'orientation et de la formation. Et alors la mobilisation du monde enseignant, donc à la fois le rectorat et je vous dis les profs, les gens de terrain, on l'a démarré au mois de mars. Et ça se fait ressentir déjà dans les inscriptions en septembre. Donc les inscriptions en bac BTS sont donc vers les filières industrielles sont remplies cette année, ce qui n'était pas le cas des rentrées précédentes. Donc oui, ça commence à payer. Donc voilà, ce pilotage de plus haut niveau et le travail de terrain qui paye. Pouvez-vous nous dire justement le type de nouvelles formations et les écoles justement, quand datent ces écoles maintenant, vous qui avez un peu de recul à nous partager? Voilà, donc effectivement, on en est à la 3e rentrée là, de l'école d'ingénieurs de l'Université du Littoral Côte d'Opale, à la 3e rentrée de l'IMT. Et donc déjà, pour ces deux écoles d'ingénieurs, de très belles perspectives. Donc pour l'ULCO, par exemple, c'est un partenariat fort avec Arcelor, par exemple, autour des métiers de la décarbonation. Ça, c'est ça qui est tout à fait intéressant. C'est que alors, si Arcelor a créé son propre outil de formation interne autour de la digitalisation des métiers avec un outil qui s'appelle le Digital Lab. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils se mettent vraiment au service de l'offre d'enseignement supérieur public avec l'ULCO, mais pas uniquement, on aura aussi tout le réseau des BTS. Donc ça c'est un premier résultat là aussi de la coopération publique-privée. Et la deuxième chose, donc l'IMT qui devrait accueillir une nouvelle formation ingénieur au métier du nucléaire, donc dans le cadre de l'Université des métiers du nucléaire. Merci Manuel Leroy. Et puis l'école de production, comme ça je peux... Voilà, c'était justement l'excellente transition. De dire, l'école de production, ça c'est depuis quand sur votre alors, territoire? Alors elle est en cours de montage, donc là aussi un partenariat d'entreprise, la collectivité et puis les acteurs de l'emploi et de la formation. Et donc elle est en cours de recrutement de ses élèves et en cours d'installation. Merci Manuel Leroy, ça nous a donné envie tous, je crois, d'aller vous voir ici... En tous les cas, d'aller à Dunkerque pour voir ce projet qui est en train de transformer tous les territoires avec un impact, bien sûr, pour ses habitants. Vous avez parlé justement de l'école de production. Moi, j'ai envie de savoir ce que c'est une école de production.
Bonjour. Alors, une école de production, c'est une école pour les jeunes qui sortent du collège. Donc, c'est la formation initiale. Donc, les jeunes qui ont entre 15 et 18 ans, à qui on va proposer de se former à un métier et de se préparer à un diplôme. Et donc, on est dans les métiers dits en tension. Donc, essentiellement, aujourd'hui, dans le domaine de l'industrie, mais on est aussi dans l'agriculture, dans les services, mais essentiellement dans l'industrie. Vous, Vanessa de Quitt, vous êtes responsable du développement, justement, de ces écoles de production. Ça se déploie en France à quel rythme? Et est-ce que c'est un nouveau type de formation, même dans la dimension pédagogique? Alors, c'est un vieux concept, puisque la première école de production a été créée en 1882 en région Rhône-Alpes. Mais ils étaient vraiment, en fait, il n'y avait que 8 écoles. Et depuis les années 2010, la fédération a fait le choix de développer ce modèle et donc de l'essaimer sur l'ensemble du territoire, puisqu'on voit que ça marche. Donc aujourd'hui, on a un rythme de croissance important puisqu'on ouvre une dizaine d'écoles de production par an. Et cette année, normalement, l'objectif, c'est 15. Avec, je crois, un objectif de 70 écoles d'ici l'année prochaine. Oui. Et une centaine horizon. On sera même au-delà des 100, je pense, en 2028. On aura dépassé l'objectif. Pour bien expliquer justement la valeur ajoutée de ces écoles de production, quelles sont les vertus à la fois pour les jeunes et pour les entreprises? Alors, les vertus pour les jeunes, c'est un modèle différent pour apprendre. C'est-à-dire que du coup, ça correspond à des jeunes qui n'ont plus envie d'aller à l'école. Donc, ils recherchent à rentrer en entreprise. Malheureusement, pour certains d'entre eux, c'est compliqué de rentrer dans le domaine de l'entreprise puisqu'ils ont 15 ans et qu'ils n'ont souvent pas le savoir-être. Et donc, les entreprises ne les accueillent pas tous. Donc, nous, on répond à cette demande puisqu'en fait, l'école de production, on reproduit une entreprise au sein de l'école. Donc, ils vont faire des vraies commandes pour des vrais clients. Donc, ils vont être avec une exigence identique que s'ils étaient en entreprise, puisque les productions qu'ils vont vendre, elles sont vendues au prix du marché. Donc, ils ont un maître professionnel qui va les encadrer. Donc, ça ressemble à l'école. C'est-à-dire que c'est une promotion de 8 à 12 jeunes qui va cheminer pendant 2 ans pour obtenir à la fin un diplôme. Alors, donc, ça, c'est l'impact pour les jeunes. Là, vous dites qu'il y a certainement peut-être des futurs clients des écoles de production, parce qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui sont là ce matin. Vous dites que ce sont des clients, mais ce sont aussi des partenaires. Et quel rôle, justement, ils jouent dans ces cycles de formation? Alors, une école de production ne peut pas se créer sans la participation des entreprises. Donc, elles deviennent partenaires de l'école, à tel point que la plupart de nos écoles de production sont gouvernées par des chefs d'entreprise. Le président d'une école de production est souvent un chef d'entreprise. Et puis, on a aussi au sein du conseil d'administration d'autres entreprises qui permettent de pouvoir travailler avec nous sur les attendus de la formation pour qu'ils soient justement opérationnels après leurs 2 ans de formation chez nous. C'est bien pour ça qu'on dit qu'on les forme à un métier et qu'on les prépare à un diplôme. C'est bien ces deux objectifs que l'on mène. Donc, ils sont partenaires et le partenariat se concrétise par la sous-traitance. Toutes les entreprises avec lesquelles on travaille, qui sont nos partenaires, permettent d'avoir de la sous-traitance dans nos écoles. Vanessa, quelle est la structure de ces écoles? Ce sont des associations loi 1901. Elles sont toutes indépendantes. Donc la fédération anime le réseau, mais elles sont toutes indépendantes. Elles correspondent toutes à un besoin de territoire. Donc les jeunes, ils sont du territoire pour les entreprises du territoire. Alors, si ici, il y a des élus qui veulent avoir une école de production, peut-être qu'ils vont s'interroger sur mais quel est le modèle économique de ces écoles de production? Alors, le modèle économique, aujourd'hui, il évolue beaucoup. Hein, donc, aujourd'hui, il est des subventions pour le fonctionnement, des subventions d'État. Depuis la loi du 5 septembre 2018, on a été reconnus. Donc, on peut enfin conventionner. Donc, le ministère du Travail nous soutient si nos écoles sont reconnues par le ministère de l'Éducation nationale. Et puis après, beaucoup, les régions. Les régions nous soutiennent aussi dans le fonctionnement, la taxe d'apprentissage et puis les entreprises au travers de la sous-traitance puisque 30 à 45% du fonctionnement est financé par la production de l'école. Alors nous, ce qui nous intéresse dans l'exemple de Dunkerque qui nous a été décrit ce matin, c'est justement le rôle. Quel rôle vous êtes venu jouer justement dans ce projet de transformation Saint-Dunkerque? Depuis quand justement est cette école de production dans le territoire Dunkerque? Et quelle est votre contribution, votre part dans ce projet-là? Alors, en fait, c'est la Fondation Total Énergie qui a démarché Entreprendre Ensemble, qui est une structure qui a un impact fort dans l'insertion professionnelle et l'inclusion sur le territoire, qui sont venus à nous. Ce n'est jamais la fédération qui va sur un territoire, c'est toujours le territoire qui vient à nous et qui nous a sollicité pour savoir
si une école de production serait pertinente. Donc on utilise du coup les GPECT pour aller vérifier s'il y a bien ce métier en tension sur un territoire. Donc on travaille rapidement avec les communautés de communes, les communautés d'agglos, ce que l'on a fait avec la CUD, puisque en plus dans la gouvernance, un des représentants est vice-président de cette gouvernance. Donc là, il y a un partenariat très fort. Et cette école s'appelle Littoral Tech, et elle est sur l'usinage. Ça donc... donne déjà envie, Littoral Tech, on se dit... Ouais, voilà. C'est sympa. Oh. Ouais. Donc les partenariats, c'est donc la communauté d'agglo, c'est aussi les entreprises, et puis une grande entreprise qui est ArcelorMittal, avec qui l'école va travailler. Alors sur les formations, justement, on est plutôt au métier de l'usinage, donc tourneur, fraiseur, monteur, régleur, des systèmes mécaniques automatisés, opérateur sur machine. C'est ça. C'est en tout cas pour cette école. Après, on a plein d'autres écoles où on est dans la chaudronnerie, dans l'électricité. Voilà, il y a une multiplicité des formations possibles en école de production. Donc là, l'ouverture, c'est demain? C'est en mi-novembre. Mi-novembre, voilà, donc c'est très bientôt. Voilà. Et là, pour l'instant, 8 jeunes qui ont été recrutés. Ouais. Et donc, il reste encore 4 places pour les jeunes. Ouais. On a compris Total Energy qui a joué un rôle moteur dans ce projet-là, mais il y a d'autres entreprises partenaires qui s'associent. Oui, et puis là, pour le coup, Total Energy, c'est plutôt la fondation qui nous a soutenus, qui nous soutient dans les investissements. Et ce n'est pas l'entreprise en tant que telle. Donc, c'est beaucoup de PME. Nous, on travaille essentiellement pour les PME. Les ETI et les grands groupes nous aident un petit peu pour promouvoir l'école, pour nous accompagner souvent sur du mécénat. Mais celles à qui on correspond pour les besoins du territoire, c'est bien les PME. Bon, dans une période de pénurie, de pleine tension, vous allez être une excellente nouvelle avec cette ouverture d'école en novembre, dans quelques semaines. Oui, tout à fait. Voilà. Et peut-être juste le rôle de la Banque des Territoires, justement. Comment ils vous ont accompagné dans le déploiement de l'école ? Alors, la Banque des Territoires, on a un partenariat depuis 2018, et à la fois sur l'ingénierie de projet, si un projet est dans territoire d'industrie, donc là, ils nous accompagnent, donc on a une subvention grâce à eux, et également, pour tous les projets, quels qu'ils soient, un soutien avec les prêts subordonnés qui nous permettent d'avoir un soutien au travers du BFR, ce qui est le plus compliqué pour les écoles de production au démarrage. Bien, merci en tous les cas, Vanessa. On était dans la région de France. Est-ce que vous êtes prête à aller dans la région Auvergne-Rhône-Alpes? Bonjour Frédéric Martineau. Voilà, on fait le grand écart, on traverse la France. Frédéric Martineau, vous êtes responsable de la formation pour Prodeval. Voilà, peut-être nous expliquer de manière synthétique ce qu'est Prodeval et le rôle que vous jouez aujourd'hui, notamment dans un enjeu qui est au cœur de l'actualité avec le biogaz. Oui, tout à fait. Donc le groupe Prodeval est spécialisé dans le traitement et la valorisation du biogaz issu de la méthanisation des déchets organiques depuis plus de 30 ans. Nous proposons des solutions de valorisation de biogaz en biométhane via des équipements d'épuration membranaire, si certains connaissent, des solutions de valorisation de CO2, de distribution de GNV, bio-GNV, des solutions d'autoconsommation électrique et de gaz naturel liquéfié. Mais au-delà de la vente d'équipements, nous apportons à nos clients une offre globale avec en amont de la formation et en aval un service de hotline et des contrats de maintenance sur les équipements. Notre siège est donc basé dans la Drôme, mais nous avons 5 filiales à l'étranger. Et faire baisser l'intensité carbone et ralentir le réchauffement climatique, c'est le leitmotiv de notre dirigeant Sébastien Paolodi, qui est aussi partagé par de nombreux collaborateurs du groupe qui trouvent du sens dans leur travail au quotidien. Frédéric, peut-être nous rappeler justement pour quelles raisons le biogaz aujourd'hui, c'est une vraie alternative, on est en tension énergétique. Peut-être c'est important de le comprendre pour celles et ceux qui sont ici, mais qui nous suivent en direct depuis le printemps des territoires. Oui, alors on parle de biogaz parce que la dégradation naturelle des déchets organiques produit spontanément des gaz à effet de serre qui sont émis dans l'atmosphère. Et justement, la valorisation du biogaz évite ces émissions. Donc pour illustrer, l'ADEME estime que le bilan biométhane à impact climatique est 10 fois inférieur à celui du gaz produit à partir de ressources fossiles et équivalent à celui du photovoltaïque.
Donc le secteur du biogaz est au cœur de la transition énergétique et environnementale depuis de nombreuses années. Mais c'est ce qui se passe aujourd'hui sur le plan géopolitique avec le conflit en Ukraine et la crise énergétique qui en découle renforce effectivement l'importance stratégique du biogaz. Et la forte médiatisation entraîne une prise de conscience sociétale. Allez, peut-être deux mots sur comment se déroule le développement de la filière. La France joue à peu près une position de quatrième. Mais on veut aller beaucoup plus loin. Peut-être deux mots pour nous dire justement quelle est la trajectoire justement en Europe compte tenu de cette pression énergétique. Eh bien, déjà pour les grands objectifs de la filière, on a 10% de gaz renouvelable dans les réseaux d'ici 2030. Là, c'est la loi transition énergétique vers la croissance verte. Autre objectif, plus 26 000 emplois créés à l'horizon 2028. C'est la source France Biométhane qui nous donne ces chiffres. Et aussi comme objectif, la réduction des émissions de gaz à effet de serre de 55% d'ici 2030. C'est l'objectif climatique de l'Union européenne. Mais on est confronté dans la filière à un déficit de personnel qualifié par manque de connaissances du grand public pour cette filière et ses opportunités d'emploi et aussi faute d'une offre de formation complète propre à la filière qui nécessite des connaissances techniques et réglementaires spécifiques pour son exploitation. Merci Frédéric. Bon, on comprend bien du coup qu'il y a un enjeu de formation. Oui. C'est là où vous avez fait appel bien sûr à la Banque des Territoires. Comment la Banque des Territoires vous accompagne justement pour créer ce programme de formation dont on voit qu'il devient aujourd'hui crucial pour notre compétitivité industrielle? Oui, tout à fait. Donc à partir de 2019, Prodeval connaît une hypercroissance et ses besoins en matière d'emploi et de formation l'amènent à créer son centre de formation filiale à 100% de la société d'exploitation. Et c'est à peu près à la même période qu'est lancé l'appel à projet ingénierie de formation professionnelle et d'offres d'accompagnement innovante IFPAI, sur lequel le groupe se positionne et devient lauréat. Le dossier est instruit par la Banque des Territoires et nous obtenons une subvention du Conseil régional et de l'État à hauteur de 50%. Le financement est opéré et suivi par la Banque des Territoires sur une durée de 3 ans. En février 2021, un accord de consortium de 10 partenaires est signé pour mener le projet dont le but est de construire un programme de formation couvrant l'ensemble de la filière où chaque partenaire apporte son expertise. Justement sur cette école, justement, quelles sont aujourd'hui vos ambitions et les publics cibles que vous visez par rapport à cette école du biogaz? Oui, alors l'objectif de l'école du biogaz, c'est de faire davantage connaître la filière, informer, rassurer, acculturer, favoriser le développement des compétences des acteurs du biogaz en complémentarité des acteurs de formation déjà existants, de former des futurs opérateurs et techniciens, d'attirer des compétences et aussi faire du partage d'expériences et des savoir-faire. Notre ambition en termes de personnes formées, c'est 1000 apprenants sur 5 ans et 150 personnes formées en 2025. Les formations École du biogaz s'adresseront à un large public comme des étudiants, des demandeurs d'emploi, des personnes en reconversion, des salariés de la filière biogaz bien sûr, des porteurs de projets mais aussi plein d'acteurs de l'écosystème comme des établissements bancaires, des assureurs, des élus, etc. Peut-être deux mots parce que bien sûr quand on est au printemps de territoire, la question de l'aménagement du territoire est très importante. Comment vous aménagez, comment vous sélectionnez les sites qui accueille justement vos formations? Quel est votre dialogue avec les communes? Alors on travaille en partenariat avec donc les 10 partenaires dont on a parlé. Donc il s'agit d'une collectivité locale, c'est Valence Romand Agglo. On a aussi autour de la table des acteurs de formation. On a le campus des métiers et qualifications Smart Energy System à Grenoble, le campus Agronova près de Montbrison et Prodeval Formation qui sommes porteurs de projets. On travaille avec un pôle de compétitivité Ténerdis à Grenoble et des industriels et sociétés de conseil comme ACA Conseil dans les Monts du Lyonnais, Cargriz dans le Morbihan, Ovalitech à Tarbes et Prodeval et CID près de Valence. Et en plus des contenus pédagogiques, le projet portera des investissements dans des structures déjà existantes comme un atelier de mini-méthanisation chez Agronova et un atelier pédagogique sur le site de Prodeval. Et nous prévoyons d'adosser aussi des visites de sites à nos programmes de formation grâce à nos deux partenaires Ligère et Métamoli. Bon, vous êtes formidable, hein, elle a un sacré rythme, Frédéric Martineau. Peut-être pour conclure, quelles sont les formations qui sont proposées et où en êtes-vous aujourd'hui justement pour partager la situation actuelle? Et est-ce que les formations ont débuté? Alors, nous travaillons sur des formats plutôt courts, en fait, en formation plutôt adaptés à la filière. Et on propose une mixité de formats comme du présentiel, du distanciel, du e-learning, mais aussi de la réalité virtuelle qui permet de faire du lien entre la connaissance théorique et la mise en situation pratique. Et cette modularité, cette diversité de formats permettra de composer des formations à la carte. Et les formations sont celles qui sont destinées à nos cibles.
Merci Frédéric Martineau. Voilà, on espère que justement on va avoir plein d'écoles de biogaz. On en a besoin en ce moment, il y a urgence. Merci Pascal Picot d'être avec nous. Vous êtes le président de la Fédération des directeurs de CFA. Sujet très 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 important, puisque on le sait, dans le cas de France Relance, la question de l'apprentissage est devenue centrale. On va dire que ça a été une des priorités que s'est fixée en tous les cas l'actuel gouvernement. Avec cette trajectoire qui était de dire en 2027, on veut atteindre le million, je crois que c'était, d'alternants. Où on en est par rapport à cette ambition ? Alors, Fédération des directeurs et des directrices de CFA. Et des directrices, absolument. Juste un tout petit brin d'histoire, replacer l'apprentissage dans son contexte historique. L'apprentissage était 100% intégré à l'entreprise, hein, et ça va être important par rapport au thème qu'on défend. Au Moyen-Âge, c'est l'histoire, la tradition du compagnonnage, et les lois de l'or ont décidé de faire prendre un tournant à l'apprentissage en instituant les centres de formation d'apprentis. Donc là, il y a un tournant important majeur, c'est on intègre le CFA comme une école quelque part, avec des règles qui sont principalement édictées par l'éducation nationale. Et en 2018, on rebat tout ça, et c'est la grande réforme, le Big Bang de l'apprentissage, où on libéralise les énergies, où on sort de la carte des formations, et donc on a effectivement une explosion du nombre d'apprentis. On passe de 350 000 à 700 000, 750 000 aujourd'hui. On vise le million d'apprentis. On a moins de 1 000 CFA, 3 000 aujourd'hui déclarés, concrètement activés, peut-être 2 000, pour être tout à fait clair. Donc effectivement, c'est une grosse réforme, hein, la loi de 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Alors qu'est-ce que ça a changé sur notre enjeu de réindustrialisation, puisqu'on est là autour de ce thème ce matin dans cet atelier ? Alors, ça a permis de reprendre les fondamentaux de l'apprentissage. Pourquoi je vous ai fait un peu d'histoire ? C'est on peut aujourd'hui être beaucoup plus en adéquation avec les besoins d'un territoire et des entreprises. Là où il fallait à peu près un an pour donner la réponse, savoir si on pouvait ouvrir une section d'apprentis, en une semaine en gros, mais même dans un entretien téléphonique, moi je travaille pour le compte du groupe La Poste, puisque je suis directeur du CFA pour le groupe La Poste, je peux donner ma réponse tout de suite par rapport à des besoins immédiats, des besoins d'évolution et de développement de compétences. Ça, c'est le gain majeur. Après, on va voir qu'il y a une forme de régulation, on en parlera, qu'il faut peut-être aménager, j'allais dire, par rapport à ce deuxième quinquennat qui s'est ouvert. Parce qu'on passe d'un modèle subventionné à un modèle d'entreprise. Exactement. Ça, c'est très important. Alors, là où on touchait des subventions et de la taxe d'apprentissage, mais qui était une forme de subvention puisque c'était un impôt, aujourd'hui, on produit pour être payé, c'est-à-dire que tout contrat signé est financé, donc il faut facturer notre production d'apprentissage, ouais, par l'intermédiaire des OPCO, des opérateurs de compétences. Donc notre modèle économique est fondamentalement bouleversé, c'est-à-dire qu'on fonctionne comme une entreprise aujourd'hui. Moi, je me plais à dire une entreprise éducative, puisque notre sens et notre raison d'être reste bien l'éducation, l'insertion. Mais c'est vrai que ça enclenche chez nous des profonds changements. Vous en avez parlé aussi. Je pense qu'on vit un peu les mêmes changements. Et donc, pour se développer, il faut réfléchir levée de fonds, business model, dans un environnement où, effectivement, on a des enjeux parce qu'on a des voies de formation. On y reviendra. La réforme des lycées professionnels, de l'orientation notamment, va être majeure aussi sur la vie de nos CFA. Quelles sont les évolutions attendues ou déjà engagées en matière de formation ? On voit bien que les choses évoluent, les attentes ne sont pas les mêmes, alors, les usages non plus. Ouais, je pense qu'aujourd'hui, la possibilité de répondre directement à une entreprise sans avoir forcément à passer par une carte des formations régulée par une région permet de répondre beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement aux besoins du territoire. Et dans l'industrialisation, la réindustrialisation, c'est fondamental. On peut imaginer que les métiers qui ne sont pas encore connus, on puisse commencer à les préparer maintenant avec les entreprises, parce que c'est des gammes d'âge, des classes d'âge qu'il faut emmener à la qualification en 2030. Ça se prépare dès maintenant. Hein, j'allais dire, il y a les besoins immédiats, les besoins urgents, mais aussi l'anticipation de GPEC. En gros, aujourd'hui, on peut être plus un partenaire de la GPEC des entreprises que ce qu'on pouvait faire avant. Mais il reste encore, on y reviendra sur les... Alors justement, le rôle de la fédération, on va revenir, ouais, parce que vous êtes président de la fédération. Comment justement vous essayez d'accompagner ces mutations, d'être agile et rapide, parce qu'aujourd'hui, il y a un enjeu d'exécution et de rapidité. Oui, tout à fait. C'est déjà, nos adhérents sont les directrices et directeurs de CFA, c'est accompagner au changement de posture. Comment je passe du directeur d'établissement au chef d'entreprise ? Et pour un écosystème qui a eu l'habitude d'être subventionné, où rien ne devait dépasser, on ne devait pas faire de pertes et de profits, c'est un sacré changement. Aujourd'hui, il faut qu'on dégage des bénéfices, c'est sain.
et culturellement, on n'est pas encore regardé comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'État nous voit encore comme des entités un peu subventionnées et le fait de faire des bénéfices, ça peut paraître louche. Alors qu'en plus, vous êtes associatif, c'est encore plus louche. Allez, on va accueillir un nouvel invité. Je vais demander justement à Frédéric Martineau de laisser sa place à Benoît Sénéchal, que nous accueillons, qui est le responsable du pôle formation et investissement direct de la Banque des Territoires. Bienvenue, cher Benoît. Merci de nous rejoindre. Allez, on rentre dans le vif du sujet, justement dans le prolongement de ce que vient de nous partager Pascal Picot. Quel est le type d'accompagnement justement que propose la Banque des Territoires pour accompagner cette transformation? Alors, la Banque des Territoires propose un accompagnement qui repose sur deux actions. La première est que nous avons étendu notre offre d'investissement dans des structures de formation professionnelle à l'apprentissage. Et Pascal Picot évoquait la transformation des CFA en entreprises éducatives, je reprends ton terme Pascal, et entreprises éducatives qui ont des stratégies de développement et de rentabilité, hein, tu as parlé business model, bénéfices, et pour mettre en œuvre ces stratégies, les CFA ont besoin d'investir massivement dans la modernisation de leur offre pour être davantage attractifs, mais aussi pour adresser d'autres publics, comme par exemple les publics de la formation continue, pour aussi consolider leur modèle économique. Et donc, alors, ces investissements, juste pour en citer quelques exemples, mais c'est des nouvelles formations, moderniser les systèmes d'information des CFA, recruter une force commerciale beaucoup plus importante pour adresser davantage d'entreprises et placer davantage d'alternants, la digitalisation, bien sûr. Bon, et la liste n'est pas exhaustive, mais ces investissements, aujourd'hui, ne sont pas couverts par les financements qui financent l'exploitation, j'allais dire, des CFA. Et c'est là où la Banque des Territoires intervient, parce que notre offre d'investissement permet justement de répondre à ces besoins. On souscrit, en fait, à des levées de fonds des CFA qui vont permettre aux CFA de financer le développement de leur activité. Alors, Benoît, on va donner juste quelques exemples. Il n'est pas encore midi, mais on va parler, par exemple, du CFA gastronomique de Lyon. Oui. Quelques mots. Ça, c'est un exemple. Oui, alors CFA, c'est l'un des quatre CFA qu'on a accompagné jusqu'à présent. Donc c'est un CFA qui s'est développé, effectivement, qui se crée à Lyon sur le sujet de la gastronomie, avec un fort volet immobilier, mais aussi donc, sur lequel on n'intervient pas. Notre offre, nous, c'est vraiment le développement de l'activité de formation. Mais CFA qui a créé des nouvelles formations, qui a voulu se diversifier aussi dans la formation continue, avec un besoin de financement des plateaux techniques, mais aussi de ces nouvelles formations liées à la formation continue. Et donc la Banque des Territoires est intervenue avec un partenaire qui est France Active pour souscrire à la levée de fonds justement de ce CFA et permettre justement de financer ses besoins d'investissement. Avant qu'on passe à des questions-réponses, si vous avez des questions, commencez à les préparer. Peut-être Pascal Picot, comment on peut mettre l'alternance au ce service de la réindustrialisation? Comment on peut aller plus loin aujourd'hui? Déjà, en remerciant la Banque des Territoires de nous soutenir. C'est important, effectivement. Plus notre modèle va être robuste, plus il va pouvoir se projeter dans le temps et plus on va pouvoir être en réponse aux besoins des territoires et des entreprises, et notamment dans l'industrialisation. Il y a deux grandes réformes qui arrivent. Les lycées professionnels, l'orientation, on en a parlé, on a fait que de parler de ça depuis tout à l'heure. Il faut absolument qu'on soit associé. Aujourd'hui, il ne faut pas opposer les voies. Quand on se projette à 2030, l'urgence des compétences nous impose de travailler en synergie et pas opposer les voies de formation. Il faut absolument qu'on soit associés, nous les CFA, historiques, partenaires, comme les écoles de production des entreprises. Il faut absolument qu'on soit associés dans ces réformes. Ce serait un drame que de dire on développe l'apprentissage dans les lycées publics, on fait l'orientation dans les lycées publics sans tenir compte de l'existant et d'un tissu existant. Et je ne dis pas qu'il faut opposer, encore une fois. Je dis bien qu'il faut créer les synergies pour pouvoir avancer. Un petit mot, justement, on est au printemps des territoires, c'était pas prévu, mais justement, Emmanuel Leroy Cerquira, de cette expérience que vous êtes en train de vivre et qui est passionnante, justement, sur Dunkerque, si vous deviez dire un mot ou une phrase que vous avez envie de partager avec
nos invités de ce matin sur cet enjeu de formation qui est au cœur de la transformation de nos territoires. Bah, moi, ce que je constate, hein, que ce soit de la part de DRH, hein, que ce soit la part d'organismes de formation, que ce soit de la part de l'éducation nationale, c'est que personne n'a la solution tout seul. Et j'ai constaté là, vraiment sur l'année qui vient de s'écouler, un changement de pratique vraiment très fort, et justement dans le sens du collectif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les enjeux sont tels, voilà, en termes de niveau de formation, d'orientation et voilà, d'appétence justement pour les métiers, les métiers porteurs, hein, les métiers de l'industrie. Il y a besoin de changer les pratiques. Et un des changements de pratiques passe par le travail collectif et une mobilisation autour d'intérêts communs. Très bien. Il nous reste 4 minutes. Si vous avez des questions, c'est maintenant. Est-ce qu'il y a des questions, justement ? Voilà, madame. Voilà, on est toujours ici en direct du Printemps des Territoires très pour bien, une journée merci. Très riche. On est sur le sujet de la formation et de la réindustrialisation. C'est à vous. J'aurais dû peut-être laisser mon casque. Oui. Est-ce qu'il est possible de créer une école de production dans un établissement scolaire qui existe déjà ? On recommence. Alors, en fait, les écoles de production sont des entités à part, donc elles peuvent être adossées, c'est ce qu'on appelle, donc être soutenues, fortement soutenues par un établissement scolaire, par un centre de formation, par une entreprise. On a une multitude, mais après, elle a son indépendance, elle est bien. Association loi 1901, c'est inscrit maintenant dans la loi depuis le 5 septembre 2018. Est-ce qu'il y a d'autres questions, madame, ici au premier rang ? C'est madame Catherine Dumas. Oui, bonjour, Catherine Dumas, je suis chef de projet industriel à la métropole de Lyon. Dans les études que vous avez menées sur la prospective des emplois industriels, est-ce que vous avez noté des changements à venir liés au sujet de décarbonation ? Parce qu'à une époque, on a beaucoup parlé de l'impact de la digitalisation sur les emplois industriels. Aujourd'hui, on a le sentiment qu'il y a quand même des compétences qui doivent s'adjoindre en fait, sur le monde industriel par rapport aux questions de décarbonation, économie circulaire, etc. Vous répondez ? Oui, alors, on a repéré que la plupart des métiers porteurs, effectivement, demeurent les métiers qui sont aujourd'hui en tension, auxquels on va devoir ajouter voilà, ces colorations autour du digital, autour de la décarbo. Mais en tout cas, le sujet de la décarbonation est tel, hein, il est tellement ambitieux et il touche tellement d'impact, tellement de filières, tellement de métiers, qu'on a décidé d'aller beaucoup plus loin. Et donc là, c'est l'ULCO, l'Université du Littoral Côte d'Opale, qui a pris le lead, on va dire, sur ce sujet-là, avec la Chambre régionale de commerce. Et donc, on va travailler ensemble à la mise en place d'un observatoire pour mieux comprendre, pour mieux affiner, en fait, la définition de ces métiers porteurs. Et donc, l'idée étant aussi pouvoir, de façon agile, rapide, pouvoir mobiliser l'ensemble d'écosystèmes de formation à la mise en place, alors de coloration dans les formations existantes, l'ouverture de nouvelles formations. Et là aussi, c'est vraiment un projet. Alors on candidate au PIA compétences métiers d'avenir. On mise beaucoup sur ce projet qui va entraîner, au-delà de l'ULCO, c'est vraiment tout l'écosystème de formation. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est plutôt encore la grande inconnue sur la décarbo. Et donc, la question de l'outillage est vraiment importante. Et c'est pour ça que nous, en plus d'avoir fait la GPEC à l'instant T, on se pose vraiment la question de l'animer, de la faire vivre dans la durée. Bien, si vous avez d'autres questions, on pourra, bien entendu, vous pourrez solliciter nos intervenants à l'issue de cet atelier. Moi, je voudrais qu'on puisse applaudir nos intervenants de ce matin, Emmanuel Leroy-Cerquera, Frédéric Martineau, Pascal Picot, Benoît Sénéchal et Vanessa De Cuit. Merci à vous pour cet atelier sur la réindustrialisation. Bon printemps des territoires.